Oui, du coup, bonjour, je suis en retard. Alors, oui, je suis pas très content, je pense, de ce qui va se dérouler. Je n'aime pas du tout le Vélizé, et je pense que ça va être ça qui va être demandé. Bonjour Striga, bonjour Clem Lelu. En effet, je pense que je vais pas être content. Bon, je suis relativement pas de bonne humeur. Je pense que vous avez tous vu de toutes les manières les positions de notre cher gouvernement. Je suis très 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 pas content. Donc on va voir. Mais pas le mood incroyable quoi. Ah bah bonne course. Bonne course, Striga. Ne t'inquiète pas. Nous, on va faire un truc chiant, je pense. Faire des quêtes nulles pour pouvoir avancer. Non, bah non, parce que je suis pas assez vite fait. En fait, j'étais dans le chat. J'ai pas pu rester. J'ai juste vu Bichette en live. D'ailleurs, allez voir Bichette. Je vais vous mettre son Twitch. J'imagine que tu... Bonjour. J'ai pas dit bonjour en plus dans le chat, donc... Oui, normalement, c'est ça. Ouais, du coup... Alors, il s'est passé quoi? Annonce du Premier ministre. Gabriel Attal. C'est fait. Et gros sujet sur comment... Comment faire en sorte que les enfants soient rencontrent plus de flics tous les jours. Voilà. Dupont Moretti qui n'a pas aidé non plus d'ailleurs. Je vais juste vérifier pour Bichette parce que. Oh là là, il y a toujours des gens là, sur le chemin. Allez, si je mets pas la connexion, c'est vrai que c'est difficile de vérifier. Mais en fait, ce que je vous invite à aller voir pour les infos sur le gouvernement et la manière dont ils en ont parlé, je pense que le mieux c'est d'aller voir le chat de l'anti-stream. Le chat, le live d'hier. D'hier. Il y a Mathieu Rigouste en plus qui en parle. Bon, c'est une suite parce qu'il y avait eu Mathieu Rigouste en plus. Oui, du coup, hier, tout le début, c'était ça. C'était le... oui, c'est ça. C'est bien comme ça que ça s'écrit. Et pour l'Antille, du coup, je vous mets pour le début. Oui. Est-ce que j'ai toujours la bonne... Le bon SO. Alors attends. J'ai toujours les SO anti-stream comme ça. Je pense que ça marche. C'est pas avec un L de mémoire. Si, c'est avec un L. Oh là là. Attendez, je supprime. Mais pourquoi ça veut pas afficher? Je peux pas supprimer. Pourquoi? Je peux épingler, mais je peux pas supprimer. C'est quoi cette douille? On peut pas supprimer les trucs. Alors attendez, hop. Mais il veut pas. Ban temporaire. Est-ce que je peux me banner en chemin? Il y a un dépliant, mais on peut pas déplier. C'est quoi cette daube? Oh là 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 là, Twitch stream là. Twitch chat plutôt. Du coup, je vous mets le SO. Donc ça doit être celui-ci, puisque j'ai. C'est le matin. Voilà. Je vais mettre le mien. Comme ça, au moins, je sais que c'est fonctionnel. Hop. Ça explique pourquoi ça ne s'est pas affiché. Alors, est-ce que tu veux bien te docker de nouveau? Twitch de l'enfer. Oh là là. OBS. Aime-moi un peu de temps en temps. Mais!
Il veut pas redocker. Mais. Attendez, parce que il fait tout pour m'embêter. Je vais quitter le live sans faire exprès. Il veut pas redocker. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas redocker dedans? Mais c'est quoi cette daube? Bon, c'est. J'ai l'impression qu'il a décidé d'être contre moi. Ça y est, il a redocké. Il a redocké n'importe comment, c'est magnifique. Voilà, c'est bon. Oh là là, c'était long. Ok. Donc, oui, on va devoir faire du niveau, je pense. Et Strega, bonne course. N'hésite pas. On va s'enfuir de ce truc-là. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas les pièges de nouveau. Est-ce que vous pensez qu'on va survivre aux pièges? Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, Clamlune. Vous pensez qu'il y aura des pièges sur le chemin? Ah, ils ont pris des chemins différents. Mais vous êtes bloqués, vous, là, les quatre, là. On fait. Vous êtes bêtes? Ah, ils partent dans l'autre sens. Ah, c'est donc ça les jets d'intelligence dans Donjons et Dragons? Advance Donjons et Dragons? Waouh. Oui, mais ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas la même chose. C'est juste que j'arrive pas à supprimer le message. Je sais pas pourquoi Twitch Chat a décidé que je ne peux pas montrer enlever le message. Il y en a un avec un sans le L et c'est pas le bon. Ouais, donc du coup, voilà, c'est l'accompagnement de. C'est accompagnement. Je pense qu'on peut même pas parler d'accompagnement. C'est le flicage qui n'est plus. De l'ordre de l'éducation nationale et qui sera du coup de l'ordre de l'État à aller chercher les enfants à leur maison pour pouvoir dire votre enfant a falsifié une autorisation de sortie à son collège et donc du coup ça veut dire que c'est pas un bon élément de la nation française donc voilà, je suis très 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 énervé sur ça. Et que potentiellement, oui, bien sûr, il y aura les centres de rétention éducatifs qui sont déjà existants. Une tâche facile. Bien sûr. Oui. Et que du coup, il y aura sans doute. Enfin, un centre de rétention. Je pense que c'est pas le bon terme, mais voilà. Ouais, c'est pour résister au sort, les jets d'intelligence. Moi qui pensais que c'était juste pour savoir quel était le bon chemin dans un labyrinthe. Ah là 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 là, on en apprend tous les jours. Et donc oui, aller les chercher à la maison avec bien sûr policiers ou militaires, parce que c'était exactement ce que le ministre de la Justice a dit. Et bien entendu, viser pour les maires, bien sûr, parce que c'est les maires, hein, tu vois, qui éduquent. Quel enfer, j'en peux plus. Il me fatigue. Bonjour le chat, toi aussi ça te fatigue? Bref, voilà. Je vais me calmer parce que je suis vraiment pas dans le bon mood. Pour faire du level up, sachant que déjà pour moi c'est dur. Oui, le chat. Tu veux faire le level up à ma place? Je comprends. Je comprends. Donc voilà. Je sais pas trop. Je sais même pas s'ils peuvent encore dire, ou s'ils sont capables de dire encore qu'ils sont ni de gauche ni de droite. Je pense que on n'est plus à ça. Hein. C'est une technique de libertarien après, hein, en soi. De faire ni de gauche ni de droite et faire des politiques d'extrême droite. Regardez ce qui est un peu partout, c'est souvent ça qui s'est passé. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous le chat? Que voulez-vous? Vous avez votre manger? Vous avez votre eau. La litière est propre. Une Que tâche me facile. demandez-vous? Je ne peux pas vous faire des câlins pendant que je level up. C'est compliqué. Oui, bien sûr. Piège détecté, il y a un piège. Ah ouais. Oui, bien sûr.
On va aller à la fontaine de la dame, là. La dame de la fontaine. Une tâche facile. On va enlever la maladie de la quête. Je crois que c'est bien ça, hein, la maladie de la quête, c'est... Ramenions un livre du temple de Timora, connu sous le nom de la maison de la dame. Donc le temple de Timora, c'est à l'extérieur. Pour moi. De toute façon, la plupart des quêtes qu'on a... On en a tellement fait dans Baldur, là, maintenant, il faut se barrer, hein. Oui. Le temple de Timora, je crois que c'est celui-ci. Après, il y a de ce côté-là où on n'est jamais allé, je sais qu'il y a des choses. Les trucs en bleu, on sait qu'il y a des trucs, mais on n'y est jamais allé. On peut se balader, hein. Mais en vrai, la flemme un peu. Sinon, on peut s'amuser au culte, là-haut. Pour voir ce qui se passe par là, après. Ça peut être intéressant, mais bon, le culte, il était un peu chiant à se battre de mémoire. Donc on va d'abord aller à Berigost. Peut-être on va faire des petites étapes quand même. Les ennemis vous attaquent. Les kobolds. De l'argent incroyable. On n'était pas assez riche. En tout cas, c'est pas avec 35 points d'expérience qu'on va pouvoir faire quelque chose. Sachons-le. Voilà, le voyage a duré 10 heures. C'est très très bien. Oui, on va aller là. Une petite étape dodo. Quoique, oh non, on est des aventuriers un peu intrépides. On est du genre à aller directement là où on veut aller. Que vous y arrivez, ça c'est la grande question. Parce que je sais que ici vous avez du mal à vous déplacer. Temple de la sagesse, donc du coup ce n'est pas ça. Donc du coup, demain, si j'y arrive, je récupère Two Fun Tales. Comme ça, on fait un commencement tranquille. Faut que je fasse la modification de l'alerte à verte, avertissement, qui ressemble à ça pour l'instant. Là, il est à vide, et du coup, je rajouterai au fur et à mesure les trucs. Et je remarque que ça cache peut-être le son. Non. Oh là là, c'est magnifique. Donc voilà. Et ça me permettra en plus d'avoir des endroits spécifiques d'avertissement potentiel, si jamais il y en a. Facile. Mais demain, je pense qu'on va faire Two Fun Tales. Et Kallax, bah du coup, faut que je le recheck pour Rivingbell et Mando, parce que apparemment, ils sont très motivés à faire la suite. Donc, peut-être la semaine prochaine, on verra. Après, c'est au niveau du temps, c'est un peu compliqué pour moi, mais si une heure et demie, ça va à tout le monde, très bien. Ah! J'ai rendu gorge, je me sens très malade. Une tâche facile. On va aller par là. Sachant qu'il y a des. Il y a des petits soucis ici. Il faut éviter ici. Déclencher un truc qui nous permettrait d'avoir en plus un personnage qui m'intéresse si Dorn s'en va. Donc on va peut-être faire la quête de Dorn juste après. Mais pour l'instant on va au temple de la dame. Et oui, pour l'avertissement, il faut que je trouve un moyen que vous puissiez rajouter des avertissements, c'est-à-dire de rajouter des mots, un peu comme les quotes. Je crois que c'est là, hein, le temple de la dame. Ça, le temple de la dame? Non, temple de la chanson du matin. Mais c'est où, le temple de la dame? Bon, on va aller là-bas. De toute façon, c'est un temple de magiciens, donc... peut-être qu'on va trouver quelque chose. Voir des trucs à acheter. Ah oui, c'est vrai qu'ils faisaient pas des sacrifices dans ce coin-là? Je sais plus. Oui, bien sûr. Bienvenue, on tourne jamais le dos à l'aventurier voyageur dans la maison de Latrandre. Nous nous efforçons d'aider tous ceux qui font avancer les choses dans le royaume. Si vous êtes blessé, nous pouvons offrir les soins nécromantiques de votre choix. Nous vous demanderons un petit don comme seule compensation. Quel genre d'aide pouvez-vous nous apporter? Non. Il faut qu'on apprenne à pouvoir avoir des sorts, en fait. Comment on fait pour avoir des sorts ici? Il faut être intelligent.
Est-ce qu'il faut discuter avec quelqu'un qui est intelligent? Par exemple, si c'est Jaira qui parle, est-ce que je peux l'acheter? Non. Non, non, non. Mais c'est parce qu'il est blessé. On s'en fout. Nous, on veut acheter des trucs. Ah bah voilà, oui, il faut identifier. Alors, identifions avec cet argent. On a deux anneaux des princes, un pavois et une armure complète de son. On sait pas ce que c'est. Des ténèbres, le rempart de magma. Ça a l'air intéressant, le rempart de magma. J'imagine que c'est contre le feu. On a d'autres trucs à identifier, non? Non. Et non. C'est juste un magasin, exact. Allez, C'est salut. fait. Merci les mages, hein. C'est très très Une intéressant tâche de vous voir facile. tout le temps. Non, c'est quand je dis 1h30, c'est que c'est 1h30 à partir de 10h. Oui, c'est ça, on peut juste faire ça. C'est pas très intéressant. On va aller à Haute Haie pour voir ce qui se passe là-bas. Sans doute des quêtes, hein. Une tâche Sachant facile. qu'après, il y avait aussi le coup de... il faut qu'on aille faire les quêtes de Dorne. Et que peut-être qu'on va trouver sur le chemin la maison de la dame. Bon, Kivan, je pense que tu es un personnage jouable, donc on va pas jouer avec toi. Il me semble que dans ce coin-là, il y a un endroit. Salut, cop. My training did not prepare me for such extended... Oh, doucement, j'essaye d'organiser le coup le plus fabuleux du siècle. Avez-vous vu avec tout le raffut que vous faites, je ne m'entends plus penser. Vous ne pouvez pas vous entendre penser? Normal, pour cela, il vaut mieux parler à haute voix. D'accord, voilà, il y a un très grand mage qui habite juste au-dessus de cette colline. Des objets magiques sont éparpillés un peu partout, je parie. Le problème, c'est qu'il a deux monstres de chair hideux qui montent la garde, et pas d'ombre pour me cacher. La force brute est inutile contre ces monstres, rien ne marche. Il doit y avoir un moyen d'être plus malin que les sots, mais je ne sais pas comment. Oh, je ferais mieux de trouver quelqu'un, quelque part, un petit village de petits gens à embêter, je vous laisse. Merci. Haute haie. Ah, je vais bientôt avoir besoin de repos. Une tâche facile. Pour ceux qui... Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, c'est ça les golems de chair, ok. Bah voilà, la force brute, hein. Comme quoi. Ça me donne pas trop envie d'aller là, mais on va sortir pour faire dodo. Après 2000 points d'expérience, je prends. Hein. Une tâche facile. Je prends, je prends. Dodo. De toute façon, on fait toujours dodo devant les maisons, hein, au cas où on se fait attraper. Ça nous fera des points d'expérience en plus. Oui, bien sûr. Ah, bonjour! Talentir. On dirait le nom d'une arme Je dans suis Seigneur des Anneaux. Talentir, un mage puissant de Beregost. Je n'ai pas beaucoup de patience avec les étrangers qui sont sur ma propriété. S'il vous plaît, allez-vous-en, à moins que vous n'ayez quelques magies à vendre. À vous voir, j'ai à peine à croire que vous puissiez ouvrir les objets que moi je vends. Montre-nous Pourquoi ce que tu vends. Suis-je dans une ville aussi minable? J'espère sincèrement que vous avez une bonne raison de me déranger. Je vous ai demandé de partir. Les rumeurs disent qu'un mage puissant habite par ici. Si c'est de vous dont il s'agit, j'aimerais vous parler. Je vais où il me plaît. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Des rumeurs, il n'y a aucun mage ici qui souhaite parler ou qui désire qu'on parle de lui. À moins, bien sûr, que vous n'ayez de la magie à vendre. Ouh, c'est bille de glace plus 1. Le 300 entre guillemets, ça veut dire quoi?
C'est à lui qu'il fallait vendre les pierres. Une boîte à potions. Très, très intéressant, peut-être qu'on va acheter ça. C'est combien ça? 300? C'est pas cher. Comment on apprend les sorts dans ce jeu? Ah! Les griffes de Casse-Garotte. La corne de Casse-Garotte. Baguette magie d'effroi, baguette de sommeil. Intéressant. C'est très très cher. Robe de l'archimage neutre. Ok. On va acheter le truc à potions. J'imagine qu'on peut mettre des potions dedans. C'est intéressant d'avoir des potions dedans. Potions de résistance au feu. Bon, après le reste, on s'en fiche un peu. On va acheter ça. On peut en acheter plusieurs ou pas? Non, il n'y en a qu'une. Terminé. On peut identifier des trucs. Ouais, mais on s'en fiche. Salut! C'est intéressant d'avoir une discussion avec vous, gens tout commerçants. Oui, bien sûr. La maladie de la quête, donc. Voilà. On va mettre combien? 6? Peut-être. Oh! Oh! Et on porte pas. C'est beau. On en apprend tous les jours. Bon bah voilà, hein. Ça c'était très intéressant. Du coup on pouvait en acheter qu'une. Mais ça c'est bien hein, quand même, comme truc. C'est bien de le trouver après 70 heures de jeu. Alors, Oui, bien sûr. il y a un chemin vers le bas. Un chemin qui s'arrête. Mais il y a un chemin qui continue. On va aller là, on va voir ce qui se passe. Hein. On peut aller là-bas. Ok, donc ça ne nous intéresse Oui, pas. bien sûr. Remontons dans notre chemin. Des chiens! Dane! Passons aux choses sérieuses maintenant. Jaira qui était en mode un peu énervé. Merci de l'avoir partagé. Moi, je ne connais pas non plus, donc je te fais confiance. Bon. Je sais pas où on est, mais ça n'a pas l'air intéressant ici. Hein. C'est fait. En tout cas, jolie, jolie ambiance sonore. Des loups! Ouh là là. Ça, c'est des loups qui vont donner des points d'expérience, ça. Hein. 125, oh là là. C'est dramatique, hein. Ah ah! Un cairn. Encore une magie. Côte des épées. Ah, mais on devait pas aller à la côte des épées? Pour l'instant, alors, on a trouvé une boîte à potions. Et voilà, une boîte à potions. On peut ranger des potions dedans. Il y a Arcan de Zinzin. Il a l'air intéressant. On verra plus tard. Ah, remarque, il va peut-être nous donner une quête qu'on risque de faire avant. Alors, attendez. Peut-être qu'il faut aller discuter avec lui quand même. Pour l'instant, on a trouvé rien d'autre qu'une boîte à potions où on peut ranger des potions. Qui nous allège. Il y aura des faisans, des pingouins et des samboisiers entre les plus verts des cieux et les plus blanches des mers. Tire-grain, tire-blé, tire-grain de blé. Ouh là 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 là.
Peut-être trouver des crabes comme dans Skyrim, des crabes qui attaquent. Ou dans Elden Ring, des gros crabes. Ouais, c'est plutôt cool parce que ça allège. C'est ça qui est rigolo, c'est que tu mets dans la boîte à potions et la boîte à potions elle te dit « Ah bah en fait, c'est pas lourd ce que tu portes. Tu peux mettre plus de potions si tu veux. » Attendez, je crois qu'il y a un bâtiment ici. Un navire, comme on dit. Dans le jargon, oui, il y a un navire abandonné. Ah! Des larves. Normalement, ça devrait être bon. Je crois que... Ouais, c'est ça, elles immobilisent ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, pas du tout infini du tout, hein, clairement. Et une cache dans le navire. Incroyable. Une bague dans le navire. Waouh. J'adore looter. J'adore looter. Très intéressant. Merci pour l'ambiance maritime. C'est vrai qu'on ne l'avait pas trop eu. Là, j'essaye de faire la quête de la maladie de la quête. Faut trouver la maison de la dame. Il y a un chirurgien. Un chirurgien. Bonjour. Bonjour, cher ami. Attendez, attendez. Parce que là, ça sent le combat un peu épique. On va se mettre dans une gorge. Voilà. On va créer une créature des bois dans le coin là-bas. Ouais, elle s'arrête avant, bien sûr. C'est toujours très agréable. Combat épique, hein. Ah non, mais Jaira, je t'ai pas demandé de taper, en fait. Lol. J'ai demandé d'aller chercher ta copine, la nymphe. Ah, mais elle est décédée? Ou t'as juste abandonné? Ah, il y a une confusion. La nymphe est là? Je la vois pas. Pourquoi il y a une confusion? C'est qui a lancé la confusion? Je sais pas. S'il n'y a pas le choix. C'est fait. C'est archi faux. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ouais, on peut même pas les stack tellement c'est pas identifié. J'en peux plus de leur histoire. Hop, on peut prendre ça du coup. C'est fait. Bonjour, Ogrillon. Ça, ça a l'air d'être un ogre, un demi-ogre, ok. Ogrillon, c'est un bébé ogre, et un demi-ogre, c'est un peu plus grand, j'imagine. Même pas, on sait pas, on saura jamais. Faut lire le lore, je crois. Bonjour, cher chirurgien. J'imagine que vous êtes tout à fait en accord avec les ogres qui étaient autour de vous. Avait besoin d'aide. Heureusement que j'ai pu vous trouver. Ce n'est pas souvent que je rencontre des voyageurs dans des coins des régions sauvages. Si vous le désirez, j'ai les compétences nécessaires pour vous soigner. Nous n'avons pas besoin de remède. Si c'est ce que vous voulez, je m'en vais. Salut. T'es chirurgien, gars. Je vais pas te laisser toucher quoi que ce soit de mon corps. Possible. On se balade, hein. J'imagine qu'il y a des choses ici. On va devoir aller là-bas. Hein. Ah là 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 là, se balader.
crois que j'ai envoyé juste... Ah. Je croyais que c'était une construction humaine, mais non. Pas du tout. Bon, bah vous restez ici, je vais envoyer Khalid se balader. Hop. ...192 en plus. T'es chirurgien dans un univers médiéval surtout, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, écoutez. Si vous voulez vous battre, les loups... j'ai des amis que vous pouvez rencontrer, ils sont là-bas. Moi je suis occupé à me balader, et, voilà. Une tâche facile. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment... Ah! Ah! Poudre. Il y a la foudre qui m'est tombée dessus. Oui. La foudre m'est tombée dessus. Ça sent la magie d'un objet qui nous a, qui est en train de nous trahir. Qui faisait preuve d'une intégrité et d'une montée extraordinaire. Non, ok. Ah, le porteur est doté d'un don d'infravision. Ça, oui, d'accord. Classe d'armure 2, donc ça, c'est, on s'en fout. Ça. Sort, objet de protection idéal pour un mage. Mais alors du coup ça n'a pas marché avec la foudre. Ok. Ça. Protège contre les coups critiques, c'est bien. Bracelet, on dépasse lanière de nain. Des exceptions existent, ok. Okay. Alors il y a un truc qui... Je porte quelque chose. Et qui me fait mal. On va faire la position des mains sur nous-mêmes. Oui, bien sûr. Peut-être parce qu'on est en train de déchoir de druidesse GR1. Vu qu'elle est druide et qu'on tue des loups parce qu'ils nous attaquent. On va se mettre là parce que... Ah, il y a un autre loup là. Ok. Et on va envoyer Khalid sur le chemin. Passons aux choses sérieuses maintenant. Pas bête, t'aggro les bestioles et tu les butes avec le groupe. Oui, c'est un peu ça. Mais je sais pas, oui, voilà. On peut se balader. On va faire dodo après en revenant. Ah! Ah non! Des nymphes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce qu'il a aucune protection magique. Salut! Je voulais faire dodo avant. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on a maintenant en plus? On n'a plus rien. On se prépare pour la tape. Hein. Vous avez du... Non, vous n'avez plus rien. Plus rien! On va vous donner des flèches, madame. C'est fait. Je pense qu'on peut sauvegarder. J'entends pas le son de la bataille. Yes, on peut faire dodo du coup. Ben, peut-être qu'il y a possibilité quand le jeu balance des fois un éclair random sur les joueurs en extérieur. Oui, c'est ça. C'est possible aussi. Parce qu'en fait, je me rappelle qu'il y avait cette histoire-là. Après, quand t'as un objet magique, c'est un peu plus souvent quand même. Ça dépend de ce qui se passe. Bon, là, j'imagine qu'on va devoir faire un petit pacte avec les nymphes. C'est-à-dire nymphes contre nymphes. Hein. Mais c'est des sirènes, c'est pas du tout des nymphes. Je lance une confusion directement dans les sirènes. Hop, bim. Ah bah elle est décédée. Oh. Et du coup il y a personne à confure. Hop, hop. Hop, hop. Une tâche facile. Ah!
Passons aux choses sérieuses maintenant. Que c'est considéré comme un monstre, une sirène, je crois pas. Hein. On va se calmer, Razal, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est fait. Si c'est possible d'éviter de nous agresser. Oh, il y a du people derrière. À vos ordres. Et maintenant, oh non, ils ont tué la... Facile. On aurait pu arrêter Razad. Passons aux choses sérieuses maintenant. On est d'accord que c'est temporaire, Razad. Razad, s'il vous plaît. Mon cher Razad, est-ce que j'ai de quoi vous bloquer, là? Oui, oui, bien sûr. Salut, Raving Bell. Oui, on doit level up, je suis deg. J'aime pas level up. En faire quelque chose en fait, j'ai l'impression de tourner en rond, ça me fatigue. Bon là il faut qu'on arrête, qu'on immobilise notre cher ami. Est-ce qu'on a un truc d'immobilisation quelque part? Je crois que c'est... Ouais mais la pétrification c'était pour finir le jeu. Voilà celle-ci. Celle-ci on va l'enlever. J'espère que tu vas bien. Razad n'est pas mort, il est juste traître actuellement. Mais vous inquiétez pas, c'est qu'une scission. Hein. On va trouver les bons termes pour pouvoir se renouveler en tant que groupe. On va se mettre d'accord sur un manifeste. Alors par contre, est-ce que c'est la bonne personne, Jaira, pour prendre les coups de Razad? Ça, c'est une grande question. Hein. J'ai l'impression que ça se passe bien. C'est bon! Voilà. La stratégie a fonctionné, le manifeste a fonctionné, bravo. Bravo, bravo. La scission s'est limitée. Nous avons trouvé un accord dans notre groupe avec Razad. Merci Razad d'avoir participé. Hop. Bon, apparemment, il y a eu un petit problème avec les sirènes. Je fais un shoot-out hein, dans 2 secondes. Raving Bell, j'arrive. Non, pas des diminutions des... Oh, mais... Oh, Raving Bell, voyons. On s'est mis d'accord sur le fait que la trahison et la scission au sein du groupe, voilà, on a fait un petit manifeste à 2, à 5, 6, 6. À 6, on a trouvé des points d'accord. Les points de divergence ont été mis dans ce manifeste, bien sûr, et voilà, on se mettra... On s'est mis au clair, quoi. Ma lame vous coupera un morceau. Alors, la grande question... C'est pourquoi Razad a décidé d'être en scission, maintenant? Est-ce que c'est dû au meurtre des loups ou des sirènes? Est-ce que c'est juste avant, parce que j'ai posé la question de... Est-ce que c'était considéré comme monstre, les sirènes? Alors que moi, je pense pas que les sirènes sont considérées comme monstres, mais... Et voilà. Ah bah on l'a fait ensemble, alors, du coup. On a fait double SO, bravo, Clamlu. On va aller en haut. Ah mais attendez, on peut... Le navire échoué, on peut rentrer dedans? Ils nous ont pas dit qu'on pouvait rentrer. Hein. On n'a pas cliqué sur le cairn, je crois, si. Ah non.
Ah. Ah. Alors, c'est comment ça s'appelle? Choal. La Néréide. Je suis seule sur cette terre désolée et sèche. Et qui sait ce qui se cache dans ces bois? Ça sent le piège. J'ai envie de dire, ça sent le piège. Excusez-moi. Ça sent le piège. Je vais dire que ce n'est pas correct. Je suis désolé, mais là, on vient juste de se rencontrer. Ah. Ah oui. Ah donc du coup, elle a pris un coup et ça y est, c'est fini. What the fuck, le baiser mortel du dragon, hein. Non, ce n'est plus drôle, je ne veux pas mourir pour ça, ce sont mes actes, mais pas ma volonté, je ne fais ce que le maître m'ordonne. Oui, c'est vrai que on pourrait s'occuper des paladins, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Mais je crois qu'on a déjà un peu rasé le point enflammé, en fait. Je n'ai pas choisi d'être ici, mais l'ogre Drof me tient. Il contrôle mon essence, donc je lui obéis. C'est drôle au début, mais plus maintenant. Je ne veux pas vous faire plus de mal, mais c'est sa volonté, je n'ai pas le choix. C'est tout ce que je peux faire. Alors je me battrai comme je pourrais pour vous arracher à lui. Ok, ça pourrait être intéressant. Oui, allez-y. Mais pourquoi vous la tapez? Quel est le problème, Choal? Pourquoi ne les avez-vous pas détruits? Vous n'allez pas me mettre en colère, enfant des eaux. C'est ma faute, ogre Drof. Ils sont plus forts que moi. Bah, ça ferait de la viande pour le garde-manger de l'ordre et pour la bourse. Nous allons les achever. Il sera fait selon votre volonté. De quel droit gardez-vous cette créature en captivité, ogre? Rendez-lui ce qui lui appartient de droit. Je veux seulement en partir en paix. Laissez-moi m'en aller. Il n'arrivera rien à personne. Vous et votre complice ne me ferez plus mal à personne. Ok. On va dire la première... Elle vous a dit ça? Vous avez dû frapper fort pour brouiller son esprit comme ça. C'est vrai que je possède son châle, mais l'enfant des eaux est mon ami. Tout le monde m'envie. Je suis l'ogre mage, drop, je tue et je fais ça bien. Et voilà, encore un mage. Allez, salut. On va laisser poser les mains sur notre dos. Par contre, si vous pouvez éviter de tuer Choal, parce que là c'est compliqué là, ce que vous êtes en train de faire. C'est où qu'on en était en charge là? C'est là, hein. Ok, on avait bien sauvegardé avant. C'est fait. On va se positionner ici. On va enlever leur conscience pendant quelques secondes. Une tâche facile. Histoire de gérer l'attaque. Je vous prie, je suis seule sur cette terre désolée et sèche. Baiser de la Néréide. Inconscient. Direct. Donc, j'ai mis une pause directe. On va se mettre ici pour vous. On va appeler une nymphe. Ah bah non, on peut pas. Alors, on va faire un gros massage cardiaque pour qu'il se relève. Ensuite, on place nos CAC 40 ici. Remarquons qu'elle n'attaque pas, hein. J'ai l'impression qu'elle veut pas que se lève. CAC 40 ici. Excusez-moi, vous avez bien compris que la blague c'était CAC 40, c'est pour le CAC. Je suis désolé, ça me fait toujours rire. Le corps à corps, vous connaissez. Ring Bell. S'il te plaît. Alors je me battrai comme je pourrais vous arracher à lui. Ok. Ah, hop, pause. On arrête de taper. On recule. Défense magique pour tout le monde. Quel est le problème, Choal? Pourquoi ne les avez-vous pas détruits?
On vous tue. Gentiment, mais sûrement. Exactement. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, il s'est retourné direct vers moi. Ah, attendez. Protégeons nos coureurs de fond. Et un mage de moins. Et oui, mais alors du coup, il faut expliquer hein, aux personnes qui jouent mage. On est désolé pour LE. Parce que là, sur le coup, pour moi, j'en ai fait ma némésis, hein, clairement. Hein. Bon, après les basiliques, bien sûr. Parce que les basiliques, c'est vraiment la némésis du monde. Mais c'est vrai que les mages, c'est vraiment pas sympa, en fait. Facile. Alors, on va discuter, on va faire comme si on discutait. Est-ce que Katana, on s'en fiche du coup. Où que je sois, par les eaux de chez moi, je suis libre à nouveau. Vous devez me pardonner de partir si vite, mais je ne passerai pas une seconde de plus sur cette terre aride. C'était un jeu rigolo, mais c'est fini maintenant. Merci, au revoir. Hey, on fait dodo. On est anti-mage ici, un peu. Moi, j'avoue que je joue un peu comme ça. Après, il y a des moments où j'aime bien jouer mage, mais... Mais j'avoue, par exemple, dans Skyrim, j'ai fait la technique je joue tellement furtif que les mages, en fait, ils captent pas, par exemple. On peut le voir aussi très facilement dans Oblivion, je crois, c'est Oblivion. Où, en fait, il y a des mages partout, et voilà. Et t'as pas envie de les rencontrer. Je suis désolé, ils sont pas sympas, les mages, en vrai. Et nous, on n'est pas des gens éduqués à proprement parler dans notre équipe. Le but, c'est pas d'être d'avoir été en école privée de magie. Voilà. Oh, il y a encore des ogres. Ouais. Oh, Razad. Waouh. C'est passé quoi, Razad? T'avais des 56 points de vie en plus. Oui, bien sûr. Bon, en haut, de toute façon, il n'y a rien, donc on va partir sur le fait qu'on a déjà vu. On se positionne ici, parce qu'ils étaient là. Bon, Razad, hein, faut faire des choses. Hein. Oui, c'est fait. Ah, ils étaient pas là? C'est après? Bah. C'est là? Bah. On part. Y'a plus d'ogre. Ah. Il y a l'ambiance qui est revenue. C'est le matin, c'est ça? Oui. Après, moi, je veux bien que les mages... On peut considérer que les mages sont sympas, mais... Vous voulez pas vous déplacer? Genre, j'ai cliqué quelque part, hein. Je vous remets votre conscience, déjà. Comme ça peut être bien. En fait, c'est... Ouais, tu... Quand il y a... Quand... Le son, c'est uniquement quand il y a de l'eau. C'est trop marrant, ça. Un peu situationnel leur truc. Si je mets ici. Ah, plus de son. Bon, bah on va aller là. Hein. Oh non. Oh non. Oh, bah. Ah oui.
excusez-moi, il y a eu un petit décalage. On est dans le caca là, non? Est-ce qu'on peut encore se déplacer? Parce que la maison de la dame, c'est où? C'est à cause de la maladie de la quête, je pense. Mais du coup, on cherchait la maison de la dame, mais là, on est dans le caca, là. Comment on fait? Ça se trouve, la maison de la dame, c'était dans Baldur. En Oblivion, j'ai fait la technique, je pousse mes levels au max en faisant des trucs en boucle. Genre, trouver un endroit où je peux courir contre un mur et... Que quand je saute, je me prends le plafond et je retombe tout le temps. Ensuite, ben, j'ai monté l'agilité level 50 et je suis passé à une haute compétence. Installe un système de tout à l'écoute, mon dieu. Je crois qu'on meurt, en fait, dans l'heure qui suit, là. Elle fait quoi, déjà, la cape de nymphe? Charme créature. Bon, c'est pas très intéressant. C'est vrai que c'est pour faire le beau. Du coup, on est dans le caca, là. Le poison de Marek. On a augmenté notre charisme avec les cheveux de nymphe. On a un problème. On a un problème parce que là c'est au déplacement, on est trop loin en plus. Les ennemis vous attaquent. On a survécu, on a survécu. Mais ça se trouve, on a pas bougé. Avoir backseat, c'est quoi? C'est aujourd'hui là maintenant tout de suite backseat? Quoi? Backseat? L'émission? Ou c'est en référence à un tout à l'égout? Oh non, on s'est même pas déplacé, quel enfer. Il nous faut une carte. Est-ce que vous pouvez m'indiquer au moins où je dois me déplacer dans la carte pour aller trouver le temple de la dame? Alors attendez, je vais vous donner le nom parce que là on va être dans le caca, c'est comment on va faire? Le nom c'est Timora, le temple de Timora. Where is the temple de Timora? Je vais chercher ça sur internet, je veux dire. Where is the temple of Timora? Et là on va mourir, hein. J'ai pas envie de tomber en boucle. Un backseat. Ah oui, donc. Ah, c'était pour ça. Je vais voir un backseat. Merci. Merci, merci. Du coup, je te laisse faire. Essaye de. Alors, soit en étant précis, soit en étant. Avec une devinette. Je vais voir si on peut avancer. Attendez, je vais sauvegarder au fur et à mesure déjà. Est-ce que c'est recommandé de sauvegarder au fur et à mesure? Je ne sais pas. Non. Ok. Mais le 30, il a... Oh, j'en peux plus! Bon, on va charger une vieille sauvegarde. Le 30, il est à Baldur. Donc. Pourquoi on a encore des trucs de la professeure Durlag, là? On va se faire avoir. Hein. Oh là là, on va se faire avoir. Aïe 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 aïe. La sauvegarde rapide. Il nous a boycott. C'est tendu de ouf. Hein. Je crois que en fait le plan de...
Le poison de Marek. M-A-R-E-K. Défendez-vous. Mais Marek et l'autre Andre, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi je l'ai aidé avec son poison de quête là. C'est la plus vieille ceci. On est vraiment dans le caca. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors attendez, parce que je vais essayer de revenir juste un peu avant. Là, il y a marqué ah oui, il y a une énigme, mais bon. On a quand même genre 37 heures de moins. C'est chaud. Il s'est passé quoi dans ces sauvegardes là? Pourquoi il y a 3 sauvegardes rapides? Oh mon dieu. Et qui sont à la même, aux mêmes horaires. Ça c'est avant le faire dodo. Bon, on se barre, salut. Oui, bien sûr. On a plus d'heures. Oh non, il y a des loups. Mais non, on a pas le time. On a pas le time. Mourez s'il vous plaît. On reviendra plus tard. On n'a pas le time, laissez-nous. Déjà, est-ce qu'on va arriver jusqu'à... Je soupçonne que le temple de Timora est à Baldur au final. On est dans le caca. Hein. On va arriver jusqu'en haut. Bon, j'ai pas ton backseat, du coup je vais chercher. Hein. Ça me stresse. Donc, Where is the Temple of Timora? Donc on va regarder la quête déjà. Et on va prendre les bons noms. La maison de la dame. Dur. Maison de la dame. Après, on peut aussi accepter qu'on joue quartier ouest de la porte de Baldur. D'accord, mais ça on l'a déjà fait du coup. Et après il dit connu sous le nom de la maison de la dame. Accepté de nous aider à soigner l'autre monde. À la condition que nous lui ramenions un livre du temple de Timora. Donc du coup il fallait chercher un livre là-bas. Mais là on a fait l'aller-retour. Qu'est-ce que c'est? On a fait l'aller-retour JPP. View Topic. C'est quoi le nom? Je crois qu'on a le même... Attends. On a le même site, je crois. Je découvre. Ce n'est pas le même site. Alors, attendez. Est-ce que déjà on y arrive? Parce qu'il faudrait arriver déjà à Baldur. Hop. Ça fait mal. Ah mais là en plus, c'est... Oh, on revient au moment de Durlag. J'accepte pas du tout. Hein. Oh, le plus long c'est là. Oh, oui bien sûr. Mon Dieu. Est-ce que je peux pas faire un ralentissement du poison hein? Attendez, parce que j'ai un truc de ralentissement du poison. Aïe, 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 aïe. Je peux pas ralentir ton poison? C'est fait. Au moins qu'on arrive à Baldur, s'il te plaît. Wouah. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un? Alors attendez, parce qu'on va tester ça aussi. Est-ce que je peux envoyer quelqu'un? Genre. On envoie. Voilà. On va envoyer quelqu'un. Et toi, tu restes ici, t'es bloqué dans ton temps. Est-ce que ça marche? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On n'a pas de téléporteur, on n'a rien. Mais comment les gens ils ont fait sans Solus à l'époque?
Quand t'es là, c'est un soft block, ça, non? Ou un hard block, je sais pas moi. Comment ils ont fait sans Solus à cette époque-là? Ils ont arrêté de jouer, hein, je pense. Là, en plus, la sauvegarde de quand on est sorti de Baldur, elle a disparu. Comment je fais? Pourquoi il y a autant de sauvegardes nulles à des heures qui sont les mêmes? Ah ouais, non mais moi je reviens pas ici, hein, je reviens pas à Durlag, on va arrêter de jouer. Ah ouais, mais en plus faut tricher. Oh là là, attendez, je vais checker le lien que tu m'as envoyé déjà. On triche. Ou on abandonne Baldur là, parce que moi je... C'est synonyme, pour moi c'est synonyme d'abandon ce genre de truc. Hein. Ah, faut rajouter du debug mode 1. Oh là 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 là. Non mais là, la save de Durlag, je vais pas la faire, je suis désolé. C'était déjà un synonyme d'abandon de jeu, là. Oh là 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 là. Il y a pas moyen de récupérer des saves, là, dans le dossier. Je vais... Attendez, je regarde. Data, ça doit être ici. Il y a pas des points save. Oh là là, quel enfer. Le DLC, ok. Parce que ça est réécrit sur les sauvegardes rapides, et ça réécrit sur les sauvegardes rapides, mais en fait, je comprends pas pourquoi la première, elle a réécrit sur les autres, et pas créé des nouvelles sauvegardes. Après, on se retrouve avec trois sauvegardes avec le même temps. C'est quoi cette histoire, en fait? Genre, je peux comprendre que t'as une limitation du nombre de sauvegardes rapides, ça, je peux comprendre. Mais par contre, là, on est d'accord que sur l'idée... J'ai trois sauvegardes avec la même horaire, une avant que je me couche, une après que je me couche. Et par contre, j'ai pas la première sauvegarde rapide de retour au jeu, quoi. J'ai rien du tout. Je ne vois rien dans les fichiers. Je suis deg. Deg, deg, deg. Non, 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 ben non. Dans le data, il n'y a rien. Il y a du bif. Il y a du bif, mais il n'y a pas les... C'est pas ici les saves, peut-être que c'est dans le doc. Save, oui, trouvé. Voilà, et j'ai... Professeur Durlag, save pour le moment. Ah oui, il y a une énigme. Sauvegarde auto à 11h. J'ai sauvegarde rapide à 10h43. C'est la seule que j'ai, attendez. Ça a l'air bien. Ah, ça crée des images en plus. Celle de 10h43, c'est laquelle? C'est celle-ci, là? Ah, c'était il n'y a pas si longtemps. Franchement, c'est abusé. Hein. 10h43, c'est pas le début du jeu. Je vais copier cette save-là. Hein. Attendez. Copier. Je vais la mettre ailleurs. Ça, je sais faire, ça. Coller. Okay, d'accord. Donc, j'en ai une déjà qui est sauvegardée, au cas où. Tac, tac, tac. C'est... 11h, 10h43, 10h50, j'en ai deux de 10h50, et qui sont la sauvegarde 2 et la 10h03, je suis désolé. Un moment, faut arrêter. Pourquoi tu fais ça, Sarah? Pourquoi tu fais celle-ci, là? À quoi ça sert de faire celle-là? La 2 et la 3, plutôt, celle-ci. À quoi ça sert de faire celle-ci? À quoi qu'il y a quand même 15h de... Oui, mais ça, c'est le dodo, en fait. Et c'est vraiment n'importe quoi, celle-ci, hein. Donc du coup, la celle que moi j'ai récupérée, c'est celle de 10h43, c'est celle-ci. Mais niquez-moi en fait, je comprends pas. 11h39, safe pour le moment.
Mais ça, c'était 7-12. Oh, mais quel enfer. Quel enfer. Y a pas moyen de récupérer des sauvegardes en faisant genre commande Z contrôle Z plutôt. Non, même pas. Y a pas un endroit où on peut aller récupérer les caches aussi. Oh là 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 là. Bon, je vais checker. Est-ce qu'on a besoin vraiment de passer par le debug mode ini là? En effet, le cloa Marek nous fait apparaître au moment où il nous donne un avertissement. Est-ce qu'on peut pas juste rajouter du temps? On peut pas revenir, tu vois, genre... Oui, c'est ça, c'est Baldurini, il faut modifier un truc. Oh, mais qu'est-ce que... Oh. Faut que je quitte c'est le fait. Jeu, que je triche. Juste pour pouvoir rester en vie. Qu'il fasse bon ou pas, c'est toujours agréable de profiter du de dehors. On va juste voir où ça nous amène, ça, parce que... Ah non. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord de cette histoire. Mais... Il y a moyen d'avoir des accès aux safes qu'on a un an. Wouah. Wouah. Alors là, je ne sais pas comment on va faire. Au cas où. Et du coup, il a enlevé la première. Ouais. C'est pour ça qu'il faut changer de nom à chaque fois, quoi. Bon, allez, je vais regarder vite fait le Baldur.ini, hein. Écoutez, apparemment, le jeu a décidé de jouer comme ça. Je pense que tout le monde a joué comme ça, en vrai, hein, au final. Ok, Baldur.ini, c'est où? Je vais chercher. Point ini. C'est dans quoi? Il dit ça? Une sauvegarde. Alors, il y a eu plusieurs sauvegardes qui ont à peu près le même temps. Une sauvegarde rapide qui ont à peu près le même temps. Du coup, on se retrouve avec un problème. C'est-à-dire qu'on est bloqué par le poison. Parce qu'on cherchait le temple de Timora qui était au même endroit où j'ai commencé. Et je meurs en boucle, et donc du coup, le truc c'est que je ne peux plus revenir là où j'étais. Et donc j'ai pas la sauvegarde de départ. Parce que les sauvegardes rapides ont décidé de faire 10h50, 10h43 et 11h. Et nique les anciennes sauvegardes. C'est ça qu'ils ont dit. Là je suis obligé de modifier le Baldurini que je ne trouve pas pour l'instant. Cette data... Non. Alors du coup, faut me dire où c'est, hein, par contre. Crypt, hein, peut-être. Non. Si je trouve pas le Baldurini, on peut dire que c'est fini. En plus, c'est la version... la dépression. En fait, ce serait plus simple d'avoir un moyen de téléporter plutôt que de juste... Enfin, genre, on bloque le temps, parce que j'ai pas envie de modifier le jeu au point de mettre un cheat pour pouvoir juste me soigner, quoi. Si on bloque le temps, c'est mieux. Même pas où est foutu le Baldur.ini. Baldur.ini qui est sans doute un ancien cheat, hein. En plus, ça se trouve, on peut même plus de cheat sur le Enhanced Edition. Donc je vais taper Baldur Enhanced Edition.
Regarde en même temps. Baldurini. Les gens, franchement, dans les forums, soyez sympas avec les autres. Tu as regardé dans le dossier où tu as installé le jeu, c'est du foutage de gueule, ça. Mais ils disent n'importe quoi. Eh, franchement, on parlait bien, hein. Consulte le fac et lit la réponse, je ne trouve pas le fâcheux. Mais waouh. Oh là là, vous êtes grave. Hein. Vous êtes grave, les gens, c'est pas possible. Alors, je suis dans le fac. Installation du jeu, donc ça c'est nick. Fiche de ça. Quoi? Je l'ai pas mis sur ce disque, mes chers. Black Isle. Je vais rire si je n'ai pas le point ini, ça me fait trop rire. Attends. Je rigole, mais ça se trouve, c'est pas marrant. Je vais chercher partout sur mon disque, c'est ça que je vais devoir faire. What's the truc? Vers toi virtuel. Oui, ça. Ok. Bim. User. Roaming. Non. Partie enregistrée. Non. Ah, pourquoi j'ai ça? Ah oui, d'accord, j'ai les sauvegardes d'un jeu que j'ai, ça fait genre 3 ans que j'y jouais. Ok, super. Je vais peut-être l'enlever. Hein. Eh bien, je ne trouve rien. Aucun élément ne correspond à cette réponse. Est-ce que j'ai un Baldur.ini, ça va être la blague. Si je l'ai pas, je rigole. Oui, mais en fait, le truc, être logique et être sympa, c'est pas la même chose. Faut quand même partir sur le fait que les gens ont déjà checké, quoi. Sur cette histoire de chercher le Baldur.ini, si tu cherches pendant 2 minutes, même pas une 30 secondes, normalement, tu peux partir sur le fait que les gens ont cherché. Mais là, ils disent un endroit où moi, c'est pas du tout l'endroit où je l'ai installé, en fait. Donc, du coup, ça me stresse un peu. On ne pourra plus jouer. Tout simplement. Oui, d'une certaine manière. Ah, c'est peut-être le Steam API ID. On a un problème, Strega. Bienvenue. Non. Ça, c'est la PID, c'est juste le numéro de compte. Parce que c'est pas le fichier originel, hein. c'est pas rangé pareil, hein. En fait, c'est ça le truc. Là, je suis sur un truc, ils disent ouais, c'est dans Black Isle, dans le disque que je n'ai pas choisi. Community. Ah, t'as le message, j'imagine, de... On meurt en boucle parce qu'on a décidé de partir et la sauvegarde rapide, elle a décidé de sauvegarder à même pas 7 minutes d'écart. Donc on se retrouve dans... Oui, on est... Alors, unhost, c'est quoi? User, il y aura un compte document. Ah oui, c'est dans document. Mais ça, j'ai déjà checké, en fait. Ah, il est dans document? Bah attends, j'ai déjà checké et je l'ai pas vu.
Je recheck. Moi j'ai un Lua. C'est normal le Lua? C'est normal le Lua. Baldur Eni, moi j'ai un Lua. Avec Notepad. Oui, je te mets à jour Notepad, bien sûr. Je regarde. Ah, WordPad, alors, attends, parce que moi j'ai Notepad Plus, donc normalement ça devrait le faire dans le bon code, vu que c'est du Lua. Ah, faut que je mette tout à jour, c'est l'enfer. Et après, c'est contrôle espace pour aller en jeu. Par un manque de save, non, par un trop de save. Là, sur le coup... Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de problème avec Steam sur le fait que je modifie les trucs. Ok, du coup, je suis dans le bon truc. Ah, il y a un truc qui s'appelle terrain hugging. Ça veut dire qu'on peut se faire hugger par des terrains. Alors maintenant, il faut que je trouve le Cellua Console Explorer Set Current Area to Fully Explored. Non, c'est pas ça, c'est le Program Option Debug Mode. Il faut que je cherche le Debug Mode. Des bugs. Ça change, hein, les jeux de 90. Oui. Je vais pas le trouver. C'est ça la blague? Oh, je cherche dans nos documents actuels, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Niquez-moi. Et je suis déjà dans le contrôle F, monsieur. Game option. Mais si, normalement, je devrais l'avoir. Je comprends pas. Attends, c'est programme option. Debug mode, je crois. Attendez. Programme option, debug mode, ouais. Et vous allez rire. Dans programme option, il n'y a pas. Il faut que je rajoute la ligne. Insère, oui, donc c'est ça, il faut que j'insère. Ok, bon, je sais faire. Allez, hop. Je vais copier... Soit on a cassé le jeu et on arrête de jouer, soit on arrête de jouer parce qu'ils m'ont saoulé. Hein. Debug mode. J'ai fait les bonnes... Oui, et je mets 1. Pardon. Oui, faut, c'est bon, je l'ai rajouté. J'ai mordu la langue. Je vérifie comment c'est écrit parce que ça, c'est un coup à casser le jeu. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. J'ai un copier-coller, j'ai juste changé la variable et j'ai mis 1. Donc normalement, c'est bon. Alors, c'était un Lua pour moi, je sais pas pourquoi. Bon. Est-ce que le jeu va se lancer d'après vous? La blague. Petite pression. Le jeu se lance. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci. Le jeu se lance. Contrôle espace. Ok. Est-ce qu'on n'a pas un truc? Pour le temps. Tu vois, genre, on se téléporte. Il n'y a pas un truc pour téléporter? Alors, attendez, je vous montre. On est en process. On est en process de travail, bien sûr. Dans pas longtemps, on doit s'arrêter, mais au moins, on va essayer de voir si on va jusqu'au bout. Je regarde tout ce qui est écrit. On peut mettre l'expérience, hein, mais oui, on peut augmenter de l'expérience, oui. Ça va créer des... Oui. Moi, je veux juste se téléporter. Ah! Move to area. Ben, moi, je veux bien ça. Cellua console, move to area. Alors, attends. Faut que j'aille dans cela. Hazard, random encounter. Générique home. Home floor, seconde. Myriane. Parce qu'on n'a pas possibilité de se déplacer.
Clockwood. Générique Home. Ah mais oui, c'est en voyage, donc on peut se déplacer. Alors attendez. Il y a marqué voyage là. Il faut qu'on aille à Baldur. Durlag Tower. Vous voulez qu'on revienne à la tour de Durlag? C'est bon, Clamelou, t'inquiète. On fait la tour de Durlag si vous voulez. Baldur Gate Sewer Central Area. Bon, là, on est au bon endroit. Donc, par exemple, si je fais ça, on se retrouve. Une tâche facile. Incredible. Ah, je suis tout seul. Oui, bien sûr. Attendez. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ou peut-être quoi. Attendez. Bon, je suis solo. Je suis au bon endroit, mais... Est-ce que je vais survivre à ce combat, quand même? J'ai même plus, j'ai dit quoi, laquelle Sewers, c'était laquelle Sewers? Tu vas survivre, t'inquiète pas, on arrive. Oulala, même dans le cheat, il faut dire à tout le monde. Faut sélectionner tout le monde, peut-être. Ouais, j'ai sélectionné tout le monde. C'était quoi? C'était Baldur's Gate. Vous vous rappelez du chiffre? J'ai oublié. Home. En tout cas, moi, je suis plus d'accord sur le fait qu'on se déplace directement là-bas, plutôt que... voilà, c'est ça. Voyage. On est au bon endroit, super. Vous n'avez rien vu, tout s'est bien passé, bien sûr. Du coup, Strega, pour l'avertissement, si tu veux voir, ça va donner ça. Et après, il faudra rajouter au fur et à mesure. En visuel et etc. Donc là, normalement, on n'a pas perdu de temps au déplacement. C'était le plus important. On n'est pas très loin de là où on doit aller, je pense. Oui, bien sûr. On va aller checker. Et donc, du coup, on va aller peut-être voir si c'est possible d'aller là. Voilà, merci. Pas du bon côté. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'arrive ici? Genre, on n'est jamais allé là en plus, hein. C'est vraiment nul. Ouais, et du coup, je pense qu'on va pas commencer par celui qui allait l'annonce de violence extrême. On va commencer par Tufantel, je pense. Qui est un peu du RTS. Une tâche facile. Du jeu stratégie, justement. Donc, je crois que c'est ça, là, hein, le temple de la soif. Là. C'est ça? C'est où qu'on peut voir? Maison des merveilles, c'est pas du tout ça. Attendez. Maison de la dame, c'est ici. Faut qu'on vole un truc ici. Allez, on y va. On n'a pas le time. Non, on meurt. Regardez. Il est mal. Il est très très mal. Allez, Roland. Oui, bien sûr. On a fait tout ça pour toi. Donc c'était un lua pour les Steam. Non mais ce serait trop marrant, genre... nous avons grand besoin d'un livre connu sous le nom de Livre de la Sagesse. J'achète. Voilà. Si vous consentez à payer une telle somme, c'est que vous devez en avoir grand besoin. Voici le livre, merci. Allez, hop, salut. C'est ça hein, qu'on avait besoin, on est d'accord. Hein. Que la fortune soit la dame avec vous, ok. Et maintenant... C'est qui Jalanta Mistmir? C'était qui déjà? C'est qui Jalanta Mistmir? C'était où? On a plus le time, hein. C'est qui? Alors attendez, parce qu'on va devoir chercher son nom. Jalanta Mistmir. Where is the Water Queen? Ah oui, d'accord, c'est du coup, c'est dans les... La maison, c'est dans la maison des eaux, là. Ok. Les villes ok, je sais où c'est. Une tâche facile. Il y a tellement de monde. 500 balles, ça vaut, hein. Ça vaut le coup.
avec la galère qu'on a vécue, ça vaut le coup. Et de toute façon, personne n'a rien vu. On est d'accord que j'aurais pu censurer tout ce passage-là en faisant comme ça, là. Et faire genre... Ouh là là, j'ai trouvé un moyen de pouvoir arriver sans pouvoir voyager. Mais non, la taverne, on a déjà, on est déjà allé le taper... non l'autre. Là, faut aller à la Reine des Eaux, parce que c'est la Reine des Eaux qui me demande. Non. Attendez. En plus, faut que j'aille aux toilettes. Alors, attendez, j'arrive. On se met d'accord. Je vous laisse le truc, vous me dites si j'ai bien lu. J'arrive. Cette ville est un fléau pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Ok, on est reparti. Alors, du coup, on a compris ce qu'on a compris. Il faut aller à la taverne pour toper. Alors, du coup, on va toper qui ? Accepter de nous aider à soigner l'OTAN à la condition que nous lui ramenons le livre. Pour moi, c'est Jalantar qu'il faut aller voir. On va voir Jalantar. Jalantar qui est ici. Vous avez besoin de quelque chose ? Bon, on n'a pas besoin de toi déjà. C'est fait. C'est là ? Non, ça c'est la bâtisse du maître du port, c'est ici. Maison de la Reine des Eaux, voilà, c'est ça. Comment ça t'es encombré, Roland de la Tour-Bresson ? Remarquons qu'on s'est téléporté dans des égouts. Tellement on est quand même RP jusqu'au bout, quoi. Ça a pas mis à jour mon annonce. C'est étrange, ça. La tension monte entre nous et l'âme, ce serait bientôt la guerre. Apparemment, ça révoque ambitionne le titre de grand-duc, c'est faux. On a pas su ça, pas du tout. Dire qu'on a cherché le temple de Timora à l'extérieur. Imaginez, on serait mort dehors, hein. Incroyable. Heureusement qu'on est revenu très rapidement, hein. Et qu'on n'était pas du tout à l'opposé du monde. On était à deux doigts de mourir. À deux doigts. Parce qu'on n'est pas mort. Mais je vous ai quand même donné les morts. Ouh là là. Je suis en train d'y penser. J'ai quand même compté les morts qui n'auraient pas dû être comptés. Tout ça à cause de ce défaut de sauvegarde là. Du coup, on va enlever les sauvegardes de professeur Durlac dès qu'on sera malade. Hein. Je suis désolé, mais... Qu'on sera soigné plutôt. Une tâche facile. Mais on est tous là, hein. Voilà. Vous êtes Jalantar Mithmir ? Non. Oui, c'est elle. C'est elle. Roland. Ah, et lui, il veut aller vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire mourir devant Jalantar, uniquement pour dire. Vous avez rapporté le livre à la salle, montrez-le-moi. Voilà maintenant, donnez-nous le remède. Prenez ceci, une incantation de parchemin annulera le sort de la quête de votre compagnon. Mais du coup, moi je l'ai aussi. C'est con.
Du coup, on a le choix entre nous deux, c'est ça? Presque. On a le truc, mais on peut diviser. On peut l'avoir deux fois ou... Comment ça se passe? Il va dire en fait, c'est pas ça ma maladie. L'autandre, il est où là? L'autandre, il est à la lame des étoiles. L'auberge de la lame des étoiles, lorsque nous trouvons. Ok. Alors, la lame des étoiles. C'est pas ici. On va sauvegarder. Hein. Oui, bien sûr. Je sais plus où c'est la lame des étoiles. Je crois que c'est dans les beaux quartiers quand même. Hein. Parce que l'autandre, il était du côté des beaux quartiers. Il doit être dans le coin là. Peut-être pas ici, mais facile. Pas loin. C'est pas un antidote, justement, c'est ça le truc, c'est que la blague, c'est que c'est un parchemin. Donc en fait, on l'a qu'une fois. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que est-ce qu'on soigne le tendre ou est-ce qu'on nous soigne nous? Il est où lui? Une tâche facile. Ça va faire d'aller le chercher comme ça là. Pardon pour le. Mais c'est une histoire ça? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est un antidote à plusieurs ou c'est un antidote à un? C'est ça le truc? Il est là. C'est là. Non? Mais. Non, bête. Il est pas du côté des beaux quartiers? La lame des étoiles là, c'est cool. C'est où? C'est là? On est en train de perdre tout notre temps. Vraiment. On a que ça à faire. Mais. C'est fait. Il va me dire que c'était à côté de l'eau, là. C'est là. Il est où? Mais JPP il... Ah, là. C'est fait. Moi j'ai un retour de bug d'un gars, j'ai récupéré l'antidote de l'autandre et Marais, comme il se doit, donner une dose à chacun, mais après quelques jours au repos, je me retrouve avec Charnem, présentant un signe de poison et une bonne terre me disant que je ressens le poison dans mes veines. Marais, ne plaisantez pas. Et, bah, du coup, il y aura la suite, hein, du coup. Vous êtes où, Marais? Mais du coup, nous, on l'a contracté. Je ne sais pas comment, son histoire de poison. Tiens, il est là. Alors, attendez, on sauvegarde. C'est fait. Avez-vous le remède? Oui, nous avons votre remède. Où est l'antidote contre le poison? Très bien, voici la moitié de l'antidote. Marek, mon associé, possède l'autre moitié. Vous le trouverez à l'auberge. Mais je vais le tabasser, lui! Donc, il nous a empoisonné. Il nous a donné la moitié de l'antidote et nous a dit que Marek séjourne à la sirène rougissante. Mais je vais... Et franchement, sérieusement, on en a que ça à faire? Perdre du temps comme ça, là. La sirène rougissante, c'est où? Bon, je l'ai vu tout à l'heure, en plus. Nick, cherchez les auberges comme ça, là. Vous voulez pas rester dans Baldur comme tous les autres? Where is the sirène rougissante? Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Bim, bim. Je sais qu'on peut avoir accès à la sirène rougissante par les... Il a le parchemin, il a son truc de quête nulle, là. Ah, elle est là. Ok. On est du mauvais côté de la rue. Voilà, on perd encore un peu de temps hein, au cas où. C'est vrai que c'est simple. Ah, sirène rougissante, ici. Oui, bien sûr. Where is Marek? Marek. Je vais les taper en fait. Hein. Franchement, je vais les taper. Marek, vous êtes où? En haut, comme tous les autres. Croupier. Roturier. Croupier. Il y a des jeux d'argent, je savais pas. Hein. Tiens, c'est la première fois que je les vois. Marek, c'est où? Voilà, hop. Sauvegarde. S'il me donne rien, je fais un malheur. Ainsi, je suppose que vous venez chercher l'antidote. Tout ce que vous réussirez à faire, c'est accélérer votre mort. J'imagine que ce n'est pas votre principal souci en ce moment. Il a essayé de faire quoi là? Pour ceux qui ont péri.
Il essaye de me tuer. C'est exactement ça, Strega, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bon, on va ranger nos facéties potions dans... Ça, c'est l'antidote de l'autre, donc ça, on en a pas besoin. Ça, on, par contre, on peut ranger. Hop, ça, toi, tu peux aller là-haut. Et je vais les taper. Franchement, je vais les taper. Comment on les cumule, là, leurs trucs? J'ai l'impression d'être fait carotte. C'est bon, alors, du coup, le Marek est mort. Il se passe quoi, maintenant? La quête, elle est toujours active. Qu'est-ce qui se passe? Je dois boire les deux? Un peu fatigant. En plus, je dois me barrer, hein. C'est pas comme si j'avais autre chose à faire, hein. Le jeu, là. Vous êtes une bien étrange personne. On fait quoi avec ces trucs de malheur? Comment on les combine? En plus, le gars, il m'a donné une vieille... Quoi, type d'objet incorrect? Pourquoi je peux pas le prendre? C'est quoi cette histoire? C'est quoi avec maintenant? Bon, on va les taper le temps, j'imagine que c'est ça l'histoire. Comprends pas. C'est fait. Il était où déjà? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe. Oui, j'ai vu. Ah ouais, mais je vais y être, hein, mais j'ai pas envie. Il manque qui? Ah, il manque Imoen. Pourquoi Imoen, t'es pas venu? C'est vrai que j'ai vu Strega, ça va être l'enfer. Mais je vais être là, on se soutiendra du coup. Donc faut que je divise, c'est juste ça? Et du coup, celle-ci, là, ça sert à quoi, ça? À part me prendre de la place. On va aller voir le tendre. Hein. Oui, une tâche facile. Il était où, déjà? Il était là? Une exactement. Tâche facile. Ça me fatigue, je crois qu'on va aller, on va aller vraiment tuer l'OTAN uniquement pour le plaisir. Et on va dormir à côté de son cadavre. Je crois que qu'on en est là. C'est fait. Bon, il s'est barré. Bien sûr qu'il s'est barré. Pourquoi il serait resté? Pourquoi il serait resté? C'est fait. Ah oui, c'est lui, c'est le... Ouais, bon, ouais. Pourquoi il serait resté? Je me pose la question. Genre, j'ai trop d'espoir à ce qu'il soit là. Mais ok. Bon. Une tâche facile. Il s'est barré. La quête, elle a pas avancé dans l'écriture. C'est pas le vrai assassin comment ça s'appelle?
pas le vrai assassin de, du trône de fer, c'est nous le vrai assassin de, du trône de fer. Comment on déplace ça là? Je bois, hein. Je nique. J'aurais dû prévoir une antidote qui l'aurait sauvé de ma personne. Ah, voilà. Fini. Et maintenant qu'on le retrouve, on le tabasse. Bon, on va s'arrêter là, hein. On va s'arrêter là. La quête est finie, on est toujours dans Baldur, mais au moins, on peut se balader. Ah bah tiens, Imoen a fait un niveau supérieur. On se ferait pas... Ah, mais se cacher dans l'ombre. 15. Ah, mais je comprends mieux pourquoi tu loupes. Vol à la tire, crochetage des serrures, c'est pas mal. Détection des pièges, déplacement silencieux. Non, c'est détection des pièges, c'est mieux, non? On en a 25, hein, quand même, à mettre. Aller jusqu'à 70, on y est bien. On arrondit un peu. Ouais, next step, c'est clairement, il m'a saoulé. Par contre, on va faire un truc, sauvegarder la partie et on va changer le nom. Alors. Dame. Voilà. Voilà, merci d'avoir été là. C'était pas du tout compliqué aujourd'hui. Je vous laisse. Je vais checker là où on peut aller. Allô ? Alors attendez, 2 minutes. Voilà, c'est bon, excusez-moi, il y avait un appel en plus derrière. Ouais, on va y aller. Hein. Et le Didi Love, je sais pas si vous l'entendez dans Baldur, le Didi Love, je vous partagerai, je sais pas si je l'ai déjà partagé sur Discord, mais ça me fait toujours rire d'entendre les seuls rires d'une boîte à rire des années 90 d'enfants, utilisés partout. Et le Didi Love, parce que c'est le rire de Diddy Kong dans Donkey Kong. On discute, refusé. Il y a Grand Blue. On va aller voir Alice Ridge. Alors, c'est quoi que tu m'as partagé? Empoisonné plus que 24 heures à lire. Tu devrais être plus dans ta description, j'ai pas tout compris. Non mais ouais. Bon, il reste 40 secondes. J'ai lu, j'ai compris que c'était les modifications qu'on pouvait faire en plus. C'est plus un mode que le debug mode. Mais ok. Juste, moi je suis pour le fait que le jeu soit fini. Merci Clamelu d'avoir 4921 caractères aujourd'hui et 785 pour toi Strega. Bravo, bravo. Il reste 16 secondes. Tout ce que je peux vous dire, c'est bon, courage. Demain, on essaye de se retrouver sur Two Fun Tales si j'arrive à le récupérer tranquillement. Et plein de cœur parce qu'on en a besoin là, actuellement pour tout le monde.